Et ben voilà, retour des stades, victoire, c'était magnifique, il n'y avait rien à dire, en fait il n'a rien à dire en ce match, et rien à dire, ben, les joueurs ont assumé, il y a eu de la combativité, j'ai vu des joueurs qui en voulaient, bon, c'est peut-être même le plus beau match que j'ai vu cette saison, avec le plus haut écart des buts, donc ça c'est très positif, une nouvelle clean sheet pour Gilles-Lekens. Et un doublé pour Tamon. Alors, Tamon, depuis le retour hivernal, c'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire. Moi, personnellement, je le trouve bon, hein, Tamon. Je le trouve très, très bon. Enfin, surtout en ce retour d'hiver, je le trouve vraiment bon. Il est vraiment partout offensif. Et son doublé, c'est vraiment mérité. Tire du lot. Il n'y a personne qui était en dessous, il n'y a personne qui était au-dessus. Même Chevalier, il a été, j'ai trouvé extrêmement bon. C'est son meilleur match des trois. Il y avait une amélioration à RWDM, mais là, c'est encore un niveau au-dessus. Du coup, qui continue comme ça. Mini, c'était très fort. Hein. Franchement, c'était hyper fort. D'ailleurs, Mini, il doit jouer un cran plus bas. Et Carcella, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était le titularisé, le petit Carcella. Il fallait le titulariser, Joaquim. Il faut le titulariser. Et Mini, le faire jouer un petit peu plus bas. Parce que je trouve que devant, il est un petit peu brouillon, un petit peu... Bon, disons que oui, moi, je le vois plus comme un milieu que comme un attaquant. Ce match, si on joue comme ça, on peut battre n'importe qui. Clairement, Westerlo, on peut les battre. Westerlo, on peut les battre. Si on joue, ou limite, on peut faire un match nul là-bas. En jouant comme ça, on peut battre n'importe qui. Voilà. C'est une évidence. Je pense que c'est pas tiré par les cheveux de dire que. Allez, pour moi, là, on va dire la course pour la troisième place. Moi, j'y crois encore. On voit ça me dérange, c'est mieux. Et dans les gradins, ça chantait et 1 et 2 et 3-0. C'était excellent. C'était. Ah ben c'était magnifique. Ah ouais. Ah non mais je suis pas méchant. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais. Mais Watson Bevon, c'est tout ce qu'il mérite. Il mérite. Parce que. Non, je vais pas. Ça se fait pas, mais. Mais si ça se fait parce qu'ils nous ont bien fait chier pendant des années. Et les gars. C'est le karma. C'est le karma. Parce que vous nous avez chié pendant des années au tribunal. Et on a prouvé sur le terrain. On a prouvé sur le terrain. Déjà, on a mis 2-0 chez eux. Et 3-0. Et là, c'est beau, c'est beau. La défense est toujours aussi solide. Franchement, je suis pas du tout inquiet. Enfin, je suis pas du tout inquiet par la défense. Parce que... Tout d'abord, j'ai envie de dire, la défense Mohamed, Daravel et Duplu, c'est très solide. Il n'y a rien à dire. Je trouve que les trois font un énorme boulot derrière. En plus, t'as les pistons qui sont Boca et Mini qui sont excellents quand ils sont en piston. Ou milieu pour Mini. Moi, j'ai une préférence pour Mini au milieu et Boca plus en piston. Le milieu de terrain, Bakic, ouais, c'est trop fort Bakic, il est hyper chaud, hier il a encore fait une prestation 5 étoiles. Alors le point c'est vraiment le capitaine qui je le voyais partout, la vérité je le voyais partout. Après ok il se prend pas mal de jaunes, c'est assez frustrant si on le perd et tout ça. Mais c'est un battant, faut arrêter de dire que c'est un vieux, non, c'est un battant. Enfin, il a fait une connerie pour RWDM. Hier, il s'est battu. Ça, c'est le point que j'aime. Voilà, ça c'est un battant. Et devant, bah, c'était bon, hein, je trouvais vraiment un Carcella qui progresse de semaine en semaine, je trouve vraiment qu'il progresse. Pareil pour Tamon, qui est vraiment fit, qui est vraiment très très bon depuis. Le retour de la pause hivernale. Et Chevalier qui, pour moi, a fait son meilleur match. Enfin, pour moi, oui, il a fait clairement son meilleur match. Enfin, oui, il a fait. C'est loin d'un de ses matchs de sa carrière, mais pour moi, il a fait un de ses meilleurs matchs en micro. Parce que je l'ai vu beaucoup bouger, je l'ai vu beaucoup décrocher. Je ne chante.
je vais clairement dire que Jeune Chant, c'est l'homme qu'il nous fallait. C'est l'homme qu'il nous fallait. Je ne comprends pas pourquoi on était chercher Chiffo. Voilà, je ne comprends pas. On a perdu du temps avec Chiffo, alors qu'avec Jeune Chant, tout va bien. Ciao, allez, mon con.